ce soir, on se retrouve pour notre deuxième urbex. Donc, nous allons explorer un complexe. Alors, pour moi, c'est une ancienne usine, mais on se rendra compte de ce que c'est une fois sur les lieux. Je ne sais pas du tout ce que c'est pour l'instant. Bon, il va falloir se faufiler là-dedans. Je sais pas si un chemin. Je n'ai pas pu faire de repérage. Gaffe, c'est des ronces. Et je viens de déchirer la jambe. Ah putain, c'est un nid de ronces là. Je me suis déboîté là. Aller plus loin, je pense. C'est ça qu'on voit depuis la route. J'ai l'impression que c'était plus haut. C'est beaucoup plus haut. Il va falloir faire gaffe parce qu'on va passer dans la baraque, là, s'allumer. C'est quoi? C'est un ancien lavoir. Enfin, un lavoir. Un ancien bac. Oui, des escaliers, je sais pas où ça mène. Mettre la lumière à ras du sol pour pas qu'on soit visible. Donc là on est sur le sommet. C'est quoi en fait? On dirait qu'il n'y a que ça. C'est quoi? C'est une façade, c'est tout? Ça sert à quoi? Il y a deux tours là. On va les voir après. Il y en a trois, pardon. Qu'est-ce que ça peut être ces tours là? C'est où? Ce mur là, c'est bizarre, on dirait un mur de soutènement. C'est d'être un mur de soutènement, mais par rapport à quoi et pourquoi? Et ces tours là, c'est quoi? Il y a des créneaux, enfin des genres de. Comme des fenêtres à hauteur, une entrée en bas, et il y a un trou, c'est circulaire en haut, tu vois, ça descend. Comme si c'était un. Ah, t'as vu qu'il y a un passage en bas? Ouais, soit une cheminée, soit des cheminées, pardon, soit des châteaux d'eau. Je sais pas quoi ça pouvait servir. Et là, il y a des vestiges là. Et c'est comme en bas, tu vois, c'est juste, il reste que des pans de mur. J'ai l'impression que ça continue là. On va voir ce que c'est, ces tours là. Là, il y a un E. Est-ce que c'est un E de entrée? Il y a un E ici. Avec une flèche. Non, ici, là. Là. Au bout de mon doigt. Oui, mais on rentre où? Là, justement, c'est... C'était une question. Non, c'est pas par en bas, c'est sûr, mais du moins, le sens, c'est par là-bas. C'est-à-dire que le chemin de là-bas, il emmène à ici. Donc, s'il y a une entrée, c'est qu'il y a quelque chose... Enfin, si c'est bien un E de entrée, quoi.
Il y a pas de... y a un cours d'eau ici, il n'y a pas de cours d'eau là à côté. Ça pouvait pas être une usine électrique ou... Peut-être des incinérateurs, hein. Tout à l'heure je parlais de cheminée, mais c'était peut-être des incinérateurs aussi. Hein. Le mur en dessous tellement, c'est pour pas que la colline leur tombe dessus. Sérieux? Ouais, je sais pas ce que j'ai. C'est juste un escalier? Ouais, non, mais vu qu'il n'y avait pas de rampe, donc tout le monde, c'est pas ce que j'ai. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi? C'est quoi? Ça serait quoi ce dôme? Il y a une entrée devant pour, il y a quelque chose en dessous là? Moi je vois rien. Ça c'était un puits, t'as pas enfermé? Bah non, mais... non, il y en a trois. Circulaire, comme si c'était pour moi, c'était. Ça peut être qu'une cheminée, c'était pas un château d'eau ça. Il n'y aurait pas de fenêtre. C'est vraiment étrange. Il n'y a pas quelque chose devant? Hein? Genre... Non, il n'y a rien, je suis en train de... Petite lucarne ou quelque chose, on va essayer d'aller voir. On dirait que oui, hein. Il y a... Je vais pas lever la jambe là. Non, il n'y a rien. Alors, dans l'étrange... Qu'est-ce que ça pouvait être, ce truc-là? On voit qu'il manque, il manque un étage, là. Et ouais, le fait que ce soit circulaire, soit un château d'eau... Ou peut-être, comme je disais tout à l'heure, peut-être un incinérateur, mais je vois pas de traces de brûlé sur les murs. Il y a du brûlé? Oh, ouais. Ah, c'était peut-être des incinérateurs alors. Ah là, tu vois, il y a ce tour circulaire là. Il est pas là-bas. Ouais, c'est noirci, hein. Le fait que ce soit pyramidal, là, autant il y avait un brûleur ici. Alors, à l'époque, c'était le bois ou le charbon. Ça, c'est... Ça devait tenir... il manque quelque chose, hein. Il y avait peut-être un tour en acier. Château d'eau, je pense pas, parce que je vois pas l'intérêt d'avoir des fenêtres. Les fenêtres, on dirait que c'est pour alimenter le foyer. Ouais, mon avis, je cherche pas, c'est ça, hein. C'était des cheminées, mais bon, ouais, je vois qu'un incinérateur. Ouais. Ah ouais, je sens. Tu vois cela? Ouais. Ah ouais. Ah ben, c'est pas où on était tout à l'heure? Ben non, on était en bas. C'est quoi ça?
sécateur. Ouais. Ça, c'est, ça serait quoi ça? Ça soutenait un truc quoi. C'est bizarre. Moi, là, il y avait un, comme une échelle. Ah, on dirait, ouais. Badeau. Mais c'est numéroté depuis tout à l'heure. Il y a plein de numéros, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est vraiment étrange. Hein. Là ça continue, il y a le troisième. Même configuration que les autres. Tour carré. Petit dôme pyramidal au centre. Là il manque les cerclages, donc ça a dû être récupéré par les ferrailleurs je pense. Et il devait y avoir une cuve assise au centre aussi. Alors si vous connaissez les lieux, si vous savez ce que c'était, là par contre ça serait cool juste de l'indiquer. D'indiquer la spécificité, la spécificité de cet endroit, j'ai réussi à le dire, juste de savoir ce que c'était, sans indiquer l'endroit bien sûr. Alors j'ai vraiment aucune idée de ce que ça pouvait être, hein. Ça c'est certain. J'ai ma petite idée mais... c'est qu'une supposition. Donc pour moi, ce sont trois incinérateurs. De quoi, je ne sais pas. Certainement de déchets. J'espère que c'était pas un crématorium d'époque. Bon, bien, on va faire machine arrière. Donc on repart dans l'ignorance, sans savoir ce que c'était ces constructions. Et moi, c'est ce mur-là qui m'intrigue, il est énorme. On va essayer de se barrer sans se faire opérer. Et bien les amis, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Et nous on se dit à très très bientôt pour la prochaine. Tchuss tchuss.